Alors docteur, quelles sont les nouvelles ? Bah écoutez, c'est très grave, elle est atteinte de mammite grave, c'est un trouble génétique de production de lait, il n'y a aucune mesure thérapeutique envisageable à ce jour. Il n'y a pas de remède alors ? Non, écoutez, je suis désolé, aucun traitement curatif n'est accessible, on ne peut vraiment pas la guérir. Je suis vraiment désolé, il n'y a rien à faire. Mais bon, je repasserai la semaine prochaine, je vous souhaite bon courage. Au revoir. Au revoir. Yvonique, tu vas où ? Attends, on doit parler ! Non, je veux pas t'écouter. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il va, Yvonique ? Nous venons d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il est parti faire une promenade en Brière. C'est ce qu'il fait de mieux quand il est triste. On va le rejoindre. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Pars pas si vite, il n'y a pas le feu au lac. Non. C'est juste ma mère qui va mourir. Bah c'est ce que je disais, y'a pas de feu au lac. C'est pas drôle. Attends Yvonique, on monte avec toi. D'accord. Ta mère va mourir ? Oui. Et qu'est-ce que exactement a dit le docteur ? Qu'il pouvait plus rien faire. Il veut toujours se tromper. Oh regardez, elle est recendrée. Oui, on venait avant avec mes parents ici. On allait pique-niquer à la butte des pierres. Tiens, bah d'ailleurs, je vais vous y emmener. Moi aussi, je sais bien faire Schlegel. Moi aussi, je sais bien faire Schlegel. Tenez, regardez là-bas. On peut voir le pont de Saint-Nazaire, l'église de Saint-Joachin et même les éoliennes de Cambon. Waouh, c'est immense ici. Hein. Et Yvonique, il y a une soirée conte ce soir. Ça te changerait les idées si on y allait ensemble. Oui, pourquoi pas. Eh ben, tu lui montrais comment tu perches. Oui, si tu veux, mais ça fait longtemps que j'ai pas perché. Bon bah je crois que c'est moi qui vais percher pour le retour. Ouais, pas mieux. Ouais. Je veux donc vous conter l'histoire de Monsieur Liffard. Il y avait dans les marais de Brière, pas loin, un dragon. Figurez-vous que tous les ans, il fallait lui sacrifier une jeune fille vierge, jeune et belle, bien sûr, choisie parmi la population. Sœur
du chapeau le nom de sa propre fille. Monsieur Liffard se réfléchit et il affûte sa plus belle épée de jour et nuit, survoltée par l'amour de sa fille. Il réussit à tuer la bête d'un seul coup d'un seul et sauver ainsi sa fille. Il avait appris aussi que le sang du dragon avait des vertus assez extraordinaires. Cela permettait à un homme qui buvait quelques gouttes du sang du dragon de devenir un saint, par exemple, ou bien de guérir maintes et maintes maladies. Il en but lui-même une goutte et fit le vœu de devenir un saint. Ce secret fut gardé pendant des générations dans la famille. Le dernier des descendants de M. Liffard, n'ayant pas eu d'enfant, décida de cacher ce flacon dans lequel il ne restait que quelques gouttes. Mais afin qu'il puisse être retrouvé par des personnes qui le méritent, il alla voir le sorcier qui habite un village qui s'appelle Kerolivier, près des marais d'Arbourg. Le sorcier plaça dans deux petits objets de M. Liffard, un étui à cigarette et une montre, un peu de sa mémoire, permettant de retrouver le flacon. Il suffisait de poser la main sur un de ces deux objets et de dire « Monsieur Liffard, Monsieur Liffard, donnez-moi de votre mémoire » et l'endroit où se trouve le flacon serait révélé. Ton père, il a un étui à cigarette avec un dragon dessus. Ça pourrait être le même que Monsieur Liffard. Mais non, c'est impossible que ce soit le même. Bah essayons quand même. Bon d'accord. Demain matin, on se retrouve au lac et cette nuit, j'essaye de prendre l'étui. Ok. Ouais. On pourrait devenir des stars. Il y a Ibonique là-bas. Ouais. On y va. Salut. Salut. Ça va ? Très bien, merci. Alors, tu as trouvé l'étui à cigarette ? Oui. Vas-y, montre. Regarde, il y a bien un dragon dessus. Allez, on essaye la formule. Monsieur Liffard, Monsieur Liffard, donnez-moi de votre mémoire. 15 pas à l'ouest. Vous avez vu la même chose que moi ? Bah ça dépend ce que t'as vu. Quelqu'un qui creuse au domaine de Carbourg ? Oui, c'est ça. Bah j'ai une petite pelle chez moi, je vais aller la chercher. Et on peut aller au local jeune d'arpège, ils nous pourront peut-être nous prêter une boussole. D'accord. Tous les trois, allez chercher la boussole et on se rejoint à la pierre fendue. On est avec nous au parc de loisirs aujourd'hui ? Non, mais est-ce que t'aurais une bouteille à nous prêter s'il te plaît ? Ouais, j'en ai une, par contre vous pensez bien me la rendre parce qu'on a une chasse au trésor la semaine prochaine. Ça marche ? Ok. Merci. Allez, je la donne. Merci. Bon après-midi. Merci toi aussi. Merci, au revoir. C'est bon, je l'appelle. Vous avez la boussole ? Oui, oui, c'est bon, je l'ai. Bon, on va passer par les chemins de la Brière pour aller à Carbourg. Suivez-moi. Ok. Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, laisse-moi entrevoir tes secrets, tes trésors, que tu nous caches encore, fais-moi voir ta magie qui redonne la vie. Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, même quand le ciel est noir, toi en pleine Brière, où poussent les chaumières, parle-moi d'amitié, prête à tout partager. Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, laisse-moi entrevoir tes secrets, tes trésors que tu nous caches encore. Fais-moi voir ta magie qui redonne la vie. Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, même quand le ciel est noir, toi en pleine Brière, ou poussent les chaumières, parle-moi d'amitié, prête à tout partager. Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, redonne-moi espoir. Oui.
Oui, bon bah c'est bien l'endroit que nous avons vu dans la vision. L'ouest, cela doit être par là. Non, par là. Bon, on va essayer par là alors. Sinon, d'après la boussole, c'est par là. Prenons en compte la boussole. 15 pas à partir du dolmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, on va plutôt prendre les pas de Ben. C'est qui celui-là? Aucune idée. Mais on vous apprend rien à l'école. L'ouest, ce n'est pas par là, mais dans cette direction. Et 15 pas d'un adulte correspond à 17 de vos pas. Bah, il a disparu! Bah, où il est? Il y a quelqu'un? Il avait peut-être raison. Je tenais ma boussole à l'envers. Bon bah, on n'a qu'à essayer dans la direction qu'il nous a indiquée. Attends. Regarde. Il y a un dragon. Ça correspond bien, c'est bien un dragon. Oui, il y a un dragon. C'est pas trop tôt, je commence à désespérer. Regardez. Essayons d'invoquer Monsieur Liffard. Allez. Monsieur Liffard, Monsieur Liffard, donnez-moi de votre mémoire. Bonjour les jeunes, qu'est-ce que vous faites là? C'est un site protégé ici. Rien de ce, c'est pour un devoir. Allez, Ous, vous prenez vos affaires et vous partez. D'accord. Oui, d'accord. Oui, monsieur, on changera. Oui, allez, au revoir. J'ai pas vu la fin de la vision. Moi non plus. On aura qu'à recommencer au pont de Gras, je l'ai vu dans la vision. Oui, oui, oui. Oui. Le pont de Gras. Je récupère la PLF. Pensez que la vision va remarcher là-bas? Oui, j'espère. Ce serait bien. Allez, essayons d'invoquer le ciel. Venez là. Monsieur Liffard, donnez-moi de votre mémoire. Bah, ça marche pas. Mais j'ai rien vu. Bah, moi non plus. Bon, c'est pas grave, on sait que c'est dans cette direction, alors allons-y. Bon. La vision s'était arrêtée ici. Commençons à chercher.
bon, on n'y arrivera jamais. Allez, monsieur Liffard, donnez-moi un signe. Oh. Enfin, dis donc, tu parles d'un signe. Là, regardez, une lumière. On l'a trouvé, regardez. Merci, monsieur Liffard. Mais la prochaine fois que je vous demande un signe, s'il pouvait être moins douloureux. Regardez. Wow. Ben, viens voir. Bien sûr. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Réfléchis, avec cette fiole, on pourrait devenir des stars, être riches ou être heureux ensemble. Je pourrais être cosmonaute, être une star, me marier avec elle. Tu as une très mauvaise influence sur mon frère. Heidi a raison. Le plus important, c'est de sauver la mère d'Ivonik. Allez, viens. Qu'est-ce que tu m'as donné, là? Mais tu veux ma mort? Non, maman, c'est tout le contraire. Oui, maman. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour, les salut. Bonjour. Vous avez vu? Le miracle s'est accompli. Le docteur a même dit que ma mère était complètement guérie. T'as bien fait de pas m'écouter, Ben. Mais dis donc, il n'y aurait pas quelque chose de changé chez ta mère? Bah apparemment, le sang dragon fait pousser la poitrine. Et il reste pas une petite goutte? Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, laisse-moi entrevoir tes secrets, tes trésors que tu nous caches encore. Fais-moi voir ta magie qui redonne la vie. Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, même quand le ciel est noir, toi en pleine brière, ou poussent les chaumières, parle-moi d'amitié, prête à tout partager. Saint-Liffard, Saint-Liffard, raconte-moi ton histoire. Saint-Liffard, Saint-Liffard, redonne-moi espoir.